Hey, c'est de la merde. Notre avion est décollé. Ça y est, c'est le début des vlogs là. Ça y est, c'est officiel. Donc là, je dois m'occuper de l'intro. Je prends la chaîne par intérim. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je fais le vlog en fait. En fait, on n'est pas du tout au Japon, on est à Paris Charles de Gaulle, voilà, le meilleur aéroport du monde, fierté française. Et en fait, le problème, c'est que le vol est décalé à une heure indéterminée et on va louper notre correspondance. Et là, voici Joël en train de manger son. Toi, tu commences. Tu prends le relais. On ne sait pas du coup à quelle heure on va à Tokyo. Voilà. On en saura plus. Surtout c'est que possiblement on a l'avion à 14h30. Mais c'est pas sûr. Mais Helsinki, on n'est même pas sûr d'avoir un avion pour aller à Tokyo du coup. Ouais, donc il y a un monde où ce soir on dort Helsinki en fait. On va louper la correspondance et il n'y a pas d'autre vol après. Donc comment on va faire? Restez branchés. Je fais un bon youtubeur là ou pas? Vraiment le suspense il est à son paroxysme avec Non mais du coup, on va voir pour leur dire les frais qu'il faut vendre nos bagages quoi. Gamin, je vais gérer, j'ai des contacts. Ouais. Moi j'ai payé un surplus pour ma place premium là. Là t'es assis dedans là, non? Moi vous me remboursez, moi ça va pas ou quoi? Non, je suis sérieux, on me rembourse. Alors que moi j'ai pris une business, et tu vois, je me plains pas. Hein. Comme ça, c'est la vie. Mais vous inquiétez pas, j'ai des contacts, je vais gérer ça. Vous en faites pas. Personne te connaît dans l'aéroport. Ah, dans l'aéroport, si, y'a un mec qui te connaît. J'ai pas vu moi. Pour l'instant, qui t'a reconnu dans l'aéroport? Tous les animaux et. Personne. Qui a reconnu quelqu'un là dans l'aéroport? Personne. Moi, on m'a reconnu. Moi, je suis Monsieur Buzz, mon gars. Non, ça va. Pour mon pote. Ouais. Black Lives Matter, donc. Pardon. Oh putain. Et oui, gros. Alors là, je me demande, ça va être quoi le plan suivant? Genre, on va être à Helsinki, dans quel état? C'est quoi l'update? On se retrouve ici, dans le même vol, avec mon pote Yas. Parce qu'évidemment, je vous ai dit que j'avais des contacts, au final, je les ai eus. On prend le vol direct Air France. Et grâce à Yas... Regardez. Au final, on est tous ensemble, on arrive tous ensemble à Tokyo. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on aura? Compensation? Mais bon, compensation, et surtout, tu vas voir, mais parce que moi, je vais être en business. Et ça, tu on le sais pas encore. On récupère 600 euros par tête. Gros, tu et vas... En plus, on est tous ensemble, gros, mon meilleur pote, yes. Gros, je vais prendre une vidéo, mec. Je vais prendre une vidéo de la business, tu vas voir, mec. Comment je suis ému. On va au Japon. Il devait avoir un vol différent. Au final, ils sont sur le même vol. Je crois qu'il a un souci. C'est quoi ton souci? J'ai payé des places premium, mais en fait, je. Non, ouais. Non, mais... Voilà, c'est que dans Paris, ça fait tout à l'heure. Eh, vas-y, je rentre que t'as filé une veste. Vas-y, vas-y, oh, comment je suis content, c'est des vlogs Japon, les retours. Mais tu sais que j'ai une place exit, moi, avec les jambes. Ah ouais? Si tu la veux, moi, je t'ai demandé, je te donne 50 balles. On peut négocier. 50 balles. C'est quoi ta place? Sache que si c'est marqué B, tu oublies. 36 B. Mais déjà, on va te remarquer qu'il y a une bonne R. B, c'est au milieu. 36 B, c'est ignoble. B, c'est au milieu. Voilà, 37B, mais bientôt 1A, ouais, mon gars, parce que je vais être en business. Nous sommes bien arrivés à Tokyo. C'était un peu long, galère avec... En plus. Mais t'as pris strong, ça s'appelle 9 degrés, frère. Ça réchauffe le cœur. Pas de bagages, parce que voilà, vous avez capté un peu la galère. Mais déjà, sa première biche, ça va? Ça va. Non, après, je vais pas trop boire. Alors, on a dormi quelques heures. 10h50, on vient d'arriver. On va se démerder pour réussir à récupérer les bagages. Et on va aller au Airbnb. Le temps de pouvoir retrouver tout ça. J'ai pris une petite bouteille d'eau, un onigiri et un café au lait. 2,80€. En France, onigiri, c'est 4€. Juste ça. Le prix de la bouffe, les trucs. Et la première fois, ils ont voulu nous faire croire que la bouffe était chère. Hein. Rappel, ils avaient dit ouais, la bouffe au Japon, c'est cher. Eh, vas-y, il y a des gens, ils regardent deux vidéos de tel. Ils croient qu'ils sont déjà venus ici. On va récupérer le Airbnb. Et puis après, on aura la journée. On essaye de rester réveillé le plus possible. On va déjà aller visiter un petit peu tout ça. Je viens d'arriver. Si vous reconnaissez le vlog Japon de l'an dernier, on est sur la même voie. Mais non, on était à Narita. Il avait raconté n'importe quoi. Non, on était à Narita. On était à Narita. Et non, et il est sain. C'est The Great Review. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas prendre au sérieux ce qu'il dit parce qu'il est déjà sous bail. Désolé, j'ai bu une bière, j'ai mal au crâne. Yas disait la vérité sur cette personne, le fond. En gros, parce que là, il faut savoir qu'on vient d'arriver. Là, maintenant, tout de suite, on vient d'arriver au Japon. 13 heures de vol, j'ai pas dormi. On a passé une heure et demie de procédure parce qu'on a pas nos bagages. Bref, voilà. Et en fait, le problème, c'est que lui, il est en train de me faire une théorie où l'homme n'est jamais allé sur la Lune. J'ai dit que. Pas qu'il me tue. J'ai dit c'est suspect quand même. Eh, hey, ils avaient des PC. Tu peux même pas faire tourner Minecraft dessus. Mais eux, ils peuvent envoyer des trucs. Moi, je dis juste ça. C'est tout. Renseigne-toi.
Ah ouais, il vient de faire une grave. En vrai, autant la théorie c'est intéressant, donc il y a des commentaires YouTube pour peut-être pouvoir expliquer. Par contre, moi, cette théorie c'était pas la plus intéressante que t'as exposée. C'était quoi la plus intéressante? La numéro 1. L'histoire de Jean-Michel Trogneux. Ah non, elle est incroyable. mais tu sais que moi je te suis, hein. Moi je te suis sur ça. Non, moi j'ai pas. Moi j'en sais rien, Jean-Michel Trogneux, tu vois. Moi au bout d'un moment, admettons, on dit ouais, Joël, c'était une meuf avant et tout. Moi, par contre, je mets une photo de moi quand j'avais 8 ans. Fin d'histoire. Pourquoi elle met pas des photos d'elle quand elle avait 8 ans, tu vois? Ouais, c'est fou. Vas-y, tu peux pas me donner un peu de réponse? Ouais, mais franchement, je sais pas, ta théorie, gros, elle est un peu bizarre, gros. Ouais, enfin, mais toi, t'es un trouilleur. Oh, c'est toi, ça? Gros, ça fait tout. Depuis l'aéroport, gros, que je l'ai. Eh, mais attends, mais personne l'a remarqué. C'est quoi ce merdier? Mais toi, je vais te frapper, hein. Mais non, frérot, c'est ta pub, mec. Le t-shirt de Zanzan. Follow Joël Postbad. Voilà. Follow Joël Postbad sur Twitter. Vous aurez à nouveau des plans rapprochés sur son visage. Oh, le fumier. Oh, le bâtard. Les mecs, je suis pas bien réveillé. Et la première chose que j'ai consommée, c'était une bière. Donc, quand vous me voyez, vous avancez tout de suite la vidéo. Parce que ça sert à rien. On arrive à l'Airbnb, on découpe et on va aller manger. Fais chier le chien, hein. C'est lourd, Tokyo, hein. Il est posé, là, hein. C'est la merveille du monde, gros. Mais il va faire mes... Ah, le chien, là. Putain, je vais... On vient d'arriver, les amis. On a récupéré la maison. Il y a des gens qui sont tombés au combat. On va pas les nommer. Joël, post-bat d'Ivoirien. Ivre mort dans le lit, hein, on peut le dire aussi. On va aller marcher. Vous avez vu, il fait un temps dégueulasse. C'est le seul jour, normalement, de la semaine qui est prévu comme ça. On va aller manger des ramen halal. Je vais vous mettre l'adresse. C'est lourd et on va essayer de vous filmer des trucs sous la pluie. Tu te sens comment, là, Yass? Viens, on se tient à la main. Non, moi j'aime bien. Petit Mister Donut sucré au sucre. Tarte aux crèmes thé. Tu l'as en fait? Ouais, ouais, je l'ai la rêve. Oh là 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 là. T'en passes des bons moments. Il est en train de dire, ouais, c'est exactement les mêmes blagues que l'année dernière. On n'a absolument pas évolué du tout. Bah oui, gros. Le mec, moi tout à l'heure, par contre, quand on était dans l'avion, j'ai vu écrit Evray, j'ai un peu pleuré, je vais pas te mentir. Ouais. Moi, j'ai pleuré pour Inoxtag. T'as applaudi avant? T'as applaudi ou pas? J'ai applaudi, après j'ai une petite larme, je suis putain, j'ai des efforts et tout, rien que pour nous. Du coup, moi j'ai été ému. Mais oubliez pas d'applaudir à 20h, les mecs. Hein. Par la fenêtre, moi je l'ai fait par le hublot et par la fenêtre. Ramen halal, les gars, très bien noté à Asakusa, donc dans le centre de Tokyo. Il ne pas y avoir trop de monde vu comment il pleut, je suppose. J'ai la dalle, quoi. Mais là, je reconnais, tu me filmes juste parce que je suis beau. On arrive soon, là. Tiens, là. Attends. J'ai faim, mon Gyumon. Halal ramen. L'occasion de rappeler que Yass l'an dernier avait mangé un ramen sans bouillon. Oh là là, regarde-moi cette carte. Du ramen avec du wagyu, mon pote. Du bœuf de quoi couper. Ah, je suis content d'être là. Pendant que la concurrence dort. Ça t'inspire, Yass? Bah, franchement, non. Mais ça, attends, je sais pas capter, c'est quoi le truc blanc? C'est ce qu'on appelle un ramen, connard. Hein? Moi je t'avoue qu'en fait j'ai envie de ça. Genre en fait ça tu l'as là tête. Ouais mais c'est un petit en fait moi le truc blanc. Moi je pense que le truc blanc est dans un ramen. Mais tu veux manger juste un bol de viande quoi. Avec du riz. On va le baiser hein. Ouais j'aimerais bien. Comment ça hein? En plus, tu dors avec moi. Hein. On va commander, on va faire le pont. J'ai dit, je suis un chien. Si après le repas je dors, je suis pas du tout fatigué, j'ai dormi 0 heure, je suis obligatoire mec. On a commandé un goût. Je suis pas mature. Obligatoire, mon gars. On a commandé un goût. Tu vas voir, c'est magnifique. Le Japon, c'est fabuleux, c'est trop bon, les mecs. Et là, on a commandé des karaage, du ramen, plein de trucs. Là, j'ai faim. Je vais pas aller dormir après, mec. Je vous jure que je vais pas dormir après. En fait, on se disait qu'avec la digestion, ça risquait de penser à Joël post-bad ivoirien. Mais Joël, lui, il dort pas parce qu'il est fatigué. Lui, Joël, il dort juste parce qu'il est bourré. C'est dit. C'est ça, en fait, la nuance. Pour réexpliquer proprement, c'est que Joël, il est arrivé, il a posé un pied au Japon, il a vu un distrib, il a pris une canette à 9 degrés ou 9%, je sais plus comment on dit, d'une bière. Il était bourré instant, il commençait à dire ouais, l'homme n'a jamais mis un pied sur la lune, etc. Et après, paf, dodo. Je suis trop heureux d'être au Japon. Là, être avec les gens, être avec le même groupe, la même ambiance, vont réoffrir les vlogs et tout. Incroyable. Tous les accords qu'il va y avoir. Je suis très content, mais je capte pourquoi il y a des gens, tu les entends dès qu'ils viennent au Japon, ils reviennent plein de fois. Et à la fin, tu les entends, ouais, ces 15 dernières années, je suis retourné 5-6 fois et tout. C'est fabuleux. Non, c'est un pays marquant, c'est les gens sont sympas. En plus, moi, quand je viens, les gens sont vraiment très gentils avec moi. Donc, moi, je suis vraiment content d'être là. Tu penses que t'attires un peu les good vibes ou pas? Ouais. Regarde les gens là autour, ils sont grave contents. Juste parce que je suis là.
Alex, t'es content ou pas? Très content, ouais. Moi, je suis content de voir mon pote Alex. Non, en vrai, non, c'est incroyable. Je suis plus le cadreur. J'avoue, je pourrais plus faire des gros plans sans Joël, mais j'ai le t-shirt. Donc, en vrai, ça compense un peu, tu vois. Et du coup, t'es content toi ou pas? Anéanti. Bah, je crois que c'est juste qu'il y a Yass, en fait. Après, c'est juste que je dors avec lui. T'en penses quoi de moi? En plus, comme j'ai pas ma valise, je peux pas me changer littéralement. J'ai même pas de caleçon. Ah, il y a la nourriture, messieurs, c'est plus important que ce que tu racontes, désolé. Ça envoie. Ça, c'est du wagyu, mon pote. Ça vous donne envie, les gars. C'est simple, c'est un des meilleurs ramen que j'ai mangé de ma vie. C'est spicy, la viande est incroyable, le bouillon est exceptionnel. Vous avez vraiment reçu des 7, mon gars. Et lui, il a reçu. Tu sais que je n'ai jamais su ce que c'était. Non, parce qu'on a pas reçu les extras encore en plus. C'est-à-dire, on va avoir des trucs encore. Non, on n'a pas reçu les entrées. Vous avez reçu le ramen avec à côté le bœuf wagyu, même un petit dessert des gyoza du kimchi. Non, mais il a les baguettes à l'envers, ce con. Ah. Hein? Bien fait, allez. Les vats bien. Ah, tu pleures sur le poulet, hein. Ah, c'est bon, hein. Non, c'est vraiment bon, hein. C'était mon analyse. Le poulet, il est excellent. Regardez le poulet. Il est incroyable. Il est bien doré, bien goûtu. Oh là là, pour ouvrir l'aventure japonaise, ah ouais, c'est exceptionnel. Mais... Emballez-moi vos tacos minables, vos grecs pitoyables et tout là. On a bien un kebab à 3 balles, hein, si jamais. Hein. Force à lui. Plus grand chose ici, plus grand chose là. J'arrive pas à rôter. Je vais pas faire l'animal sauvage, je vais juste rôter doucement. 1, 2, 1. Non mais. C'est bon. Eh hey, les gars, je vous jure l'adresse si vous avez l'occasion de venir à Tokyo. C'est incroyable. C'est le premier ramen que j'ai tapé pour des rangs. Eh gros, c'est. Attends, j'ai pas envie de roter, je suis désolé les gars. On a mangé un poulet, j'ai pleuré sur ce poulet. On a mangé du bœuf et du riz, le bœuf. Je dénonce. Il a dit le riz est meilleur que celui de Dakar. Papa, je rigolais. Excellent. Alex. Moi, c'est mon premier ramen. La dernière fois, j'avais pas fait de ramen. Et alors? Là c'est. Ouais, j'ai chaud, j'ai très très chaud. Je tiens pas trop le. Alors que c'est ouais. Juste niveau 1. Ouais. Non, bah, ouais. Je pense que là il y a eu une confusion, je pense. Parce que c'est pas niveau 1 là, je pense. Moi je crois que c'était 2300 en tout cas. Ouais, 2300 yens. Ouais, donc en vrai, franchement, 3800 yens ça fait. C'est moins. C'est quoi, c'est 25 euros ouais, comme 25 ça euros. Franchement, t'as entrée, plat, dessert, le plat t'es servi de. Et là t'es dans un truc un peu premium. Ouais, exactement, exactement. Donc en vrai, non, c'est hyper abordable. Il est pas de rouge déjà ton truc. Vraiment, il est salement rouge. Non, parce qu'en fait, il y avait niveau 1 et niveau 2. Ah, c'est 2, c'est sûr. Yass, c'est une petite note. Et vas-y, je vais pas être objectif parce que la hype du Japon, on est entre amis et tout là. Eh, mets-le ton 10. Non, franchement, 9. Un bon 9. Pour moi, c'est très difficile d'atteindre le 10, 9. 9 ou 9,5 là, c'est excellent. C'est la première fois que je mange un ramen. Enfin, la deuxième, la dernière fois, c'était avec toi. Mais lui, il est dans celui de Paris, en gros. Franchement, moi je dis 9,5 parce qu'en fait tout est bon. Ouais. Ça, y a pas un truc que tu dis, ah, ça je laisse de côté. Ouais, y a pas un truc qu'on s'est bloqué. C'est beau, hein. Malgré la pluie, ça fait plaisir. Le restaurant étant à Asakusa, on était à 3 minutes à pied. Ça aurait été dommage de ne pas passer, même si on a un programme qui va nous permettre de faire plein d'autres choses qu'on n'a pas fait l'an dernier. Ça régale. Je tiens à introduire l'un des partenaires de ce voyage, Spotify, avec qui on a déjà travaillé sur Zach en Libre. Ça fait super plaisir et ça régale de les avoir avec nous. Ça permet de financer et de continuer justement à proposer des choses comme ça. Je vais vous parler d'un tout petit truc, le mode hors connexion. Qu'est-ce que c'est? Ça permet de télécharger quelque chose avant le voyage et de pouvoir l'avoir dans l'avion, comme par exemple pour écouter des podcasts, des musiques, des playlists, tout ce que vous voulez. Monsieur Yass, qu'est-ce que t'as écouté toi? Mais moi, j'écoute des trucs, mais vous allez me vanner. J'ai écouté de la musique brésilienne et de la musique ivoirienne. Depuis que t'es revenu du Togo? Ouais, mais et tout à l'heure, je l'avais mis, et Joël, il m'a dit, t'écoutes de la musique ivoirienne? Je fais, bah ouais, c'est trop bien. Et adepte du format long, Zach en roue libre. Vous avez 14 heures de vol, c'est pas mal. En attendant, on est ici. On est à Asakusa. Et ça me permet également de vous propagander le premier Zach en roue libre de la saison. Ce sera Mitsugi demain, justement à 17h heure française. Donc c'est-à-dire qu'au moment où ce vlog sort, il y a possibilité que ce soit en cours ou un truc comme ça. Et je tiens à le rappeler, on annoncera les émissions au fur et à mesure. Il y aura également Baki, Bafetim Bigomis, Andy est là pour la fin. Et ce sera très important que vous répondiez présent afin qu'il puisse y avoir des audiences, afin qu'il puisse y avoir un engouement et que l'on puisse continuer à faire des choses comme ça. Présent, c'est un discours? Je réponds présent. C'est un discours que j'avais tenu l'an dernier et je vous avais promis que si ça répondait présent, ça nous aidera à le refaire. On est où un an plus tard? À Tokyo.
rappelle pas que l'an dernier il y avait eu l'épisode chiasse de Yas quand t'es revenu du magasin? Non, mais là, c'est qu'est-ce pas... qui est en train de se passer là? Non, là c'est pas une. Vas-y, à chaque fois, un homme qui est prisonnier de sa, ah, ouais, sa diarrhée, ah, peut-il mais... être considéré comme un homme libre? Non, non, il peut pas. J'en ai marre de dire des bêtises, j'ai envie que cette année les gens me voient sur un différent aspect, un peu plus intelligent, un peu plus cultivé aussi, un peu plus sympa. Voilà. Est-ce que tu veux que je te raconte une petite anecdote là, ouais, qui fait sur le Japon? Vas-y, vas-y. Est-ce que tu sais c'est quoi la monnaie du Japon? Bon, je reviendrai la prochaine fois. Ça fait plaisir de voir de la vie. On est vraiment dans les trucs les plus basiques et touristiques de Tokyo, mais juste de la vie. Quand on rentre sur la piste... Tu vois ce que t'es en train de faire là? Pardon, excuse-moi. Faut le marbrer lui, hein. Il faut au bout d'un moment, mais je pense à combien de pouces bleus on fait genre... Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ces objectifs de pouces bleus l'an dernier. Oui, les frères, mais bien sûr. À combien de pouces bleus tu fais un 1v1 contre WAM? Allez, en vrai, vu que j'ai la garantie de te marbrer, je pense 4000. C'est beaucoup 4000 ou pas? Non, pas. Zach, un objectif de pouces bleus pour que je fasse un 1v1 contre Yas. 1v1 genre... Ouais, genre vraiment, on se la donne. 5000? Allez, 5000. 5000 pouces bleus et je te marbre en direct, ok? Ok, alors là, 5000 pouces bleus, je compte sur vous. Franchement, 5000 pouces bleus, c'est free. L'an dernier, j'ai vu les vlogs, c'était genre du 10-12 000 pouces bleus. Là, voilà, 5000, c'est gratuit. Alors, y aller, les gars. 5000, les gars, envoyez ça. Et on organise atelier 1v1, Yas. Ouais, une vraie arène, par contre. Hein. Il peut y avoir le moment où je vais choquer les gens quand je fous une patate dans le foie à Baki. Oui. Bon, en fait, celle-là, supprime pas parce que j'ai peur des conseils. Baki, en plus, je t'aime bien, je t'ai soutenu contre Doumbé. En vrai, je pense vraiment que Baki me met une patate, mais no fake, je pense que je suis dans le coma. Genre à l'hôpital, et vraiment, je me réveille pas avant au moins 4 heures. Il en dit des choses, hein, putain, c'est. Non, je pense que là, le watch time, il a vraiment descendu. Ah ouais, vraiment. Désolé, les frères. Mais là, du coup, autant l'enlever, en fait, frère, parce que ça. Si, ça te protège plus rien, là. Ça me protège. Pourquoi on l'a invité, lui? Juste parce qu'il a du buzz, frère. Et encore, personne ne l'a jamais reconnu depuis qu'on est arrivé, ni à l'aéroport d'ailleurs. Waouh, attends. Alors, à Orly, un mec m'a reconnu. Qui a reconnu Joël? Il est arrivé à Orly, il a dit wesh, rebeu des terres, ça va ou quoi? Après, c'est pas grave, frère. Hein. Tu sais que je pense que tu me secoues, je me gerbe dessus. À côté de la maison, il y a un Mister Donut. Non, mais toi, non. Tu veux te faire. T'es un assassin, tu veux manger des ramen. Tu vas te mettre sur brancard là. Je vais voir Mister Donut sur Google Maps s'il y a plus de 4,5. Non. J'y vais. Faut pas y mettre le pied. C'est combien? Faut pas y mettre le pied. C'est combien? 3,7. Ouf. 400 avis. Non. D'après la règle Google Maps restaurant, tout ce qui est en dessous de 4 étoiles, faut pas y mettre le pied. 4 à 4,2, c'est déjà un peu limite. 4,2 plus, on peut y aller. Il peut y avoir de bonnes et de mauvaises surprises. Et en réalité, en dessous de 4, si c'est à 3,89 et que tu regardes les avis récents, c'est positif, tu te dis que ça peut être signe d'un changement. C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Tous les fans cassés, voilà. La cassée s'exporte partout, même au Japon. Je suis sûr. Hein? Comment ça, chef? Non, non, je disais, attends, ça... Tu sa mère, le maillot, hein, ouais. Ouais, de fou. Ouais. Ah non, frère, tu peux nous expliquer ce qui se passe actuellement? C'est simple, faut que je m'arrête de marcher pour éviter de me chier dessus, gros. Ah, ouais, bon, oh, c'est noir. Mais attends, vous pouvez aller au pain? Gros, je... Et t'as vu? Là, ce qui va être terrible, c'est que plus on va se rapprocher de notre lieu de résidence, plus t'auras envie. Ouais, non, mais là, je vais m'arrêter dans un café et je vais leur faire un faire de taille. Oh non... Mais il est honteux, frère. Mais on est là dans 10 minutes, à la maison. Ah ouais, non, mais là, il allait chier où, là? Le pauvre restaurateur. Le pauvre restaurateur. T'as des shots, ils vont être... C'est tellement pas mérité. Yes, je suis bois combien sur 10? Toi? Je suis bois combien sur 10? 2? Vraiment, je suis sorti du shot, il y avait un japonais en costard qui attendait. Il était pas déçu? J'ai fui. Non, il est rentré, il a du moins vraiment. En fait, j'osais pas rentrer et aller au shot sans prendre un truc. C'est que j'ai pris un truc avant et ensuite je lui ai dit coton. Petite chaîne qui coûte cher, t-shirt Street Fighter, parce qu'on vient de la street. J'ai mis un... comment s'appelle ces futs déjà là? Un cargo, mec. J'ai mis un fort gros, les yo les un jeunes. Un cargo, frère. Un cargo, cargo. Yo les jeunes, je suis un jeunes comme vous, regardez. J'écoute du rap de Spotify, j'écoute la fève, les jeunes, oh là là. Ah ouais, la fièvre. Là, je suis en mode normal. Ouais. Petite outfit normal. T'es en mode normal? Normal, non, ah, normal, okay. J'ai cassé ta caméra, débarque, tu vois, des blagues bizarres. Là, c'est quoi le programme, Joël?
On va... Comment ça s'appelle? C'est même pas où on va, frère. Il fait... Tu, on va chez Mirab. Attends, mais Hugo, tu vas dormir ou tu, ouais, tu vas... J'ai frère, vous êtes sérieux ou quoi? On a plus de valise, vous commencez à tailler sur ma tenue. Et dedans, je suis vexé, je vais me changer, c'est bon. D'ailleurs, là, j'ai un iPhone. Ouais. Je cherche le deuxième en haut, là. Voilà, pourquoi t'as deux iPhones? Non, en vrai, plus sérieusement, c'est qu'à la base, j'ai pris un deuxième juste pour faire des Ah ouais, 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 c'est bégay, frérot, non? Pour faire des streams IRL. Ouais, ouais. Des voilà. iPhones, on sait pourquoi, généralement. Écoute-moi bien, gros, j'ai qu'une meuf. Actuellement, la nouvelle Calédonie commence même pas à faire des trucs bizarres, parce que sinon, toi, ta chaîne YouTube, je vais la signaler. Et je connais des gens chez YouTube. Non, parce que je vois ton jeu, là, tu vas voir. Bon, let's go Shibuya, hein. Vas-y, on y va, hein. Moi, je suis chaud. J'ai trouvé de la meuf. Viens, on fait un vlog où je te reloupe, mec. Vas-y, on va habiller comme Peter Pan. Vas-y. Avec des trucs larges, avec des trucs verts, des chapeaux, des lunettes. Non, par contre, quand tu m'avais proposé le flow, Dickies, dit que ça m'a plu. Bah oui. Mais... Tu sais, je rentre plus dans le pantalon Dickies. Pourquoi? Si tu coupes, tu vas couper parce que j'ai pris des fesses. No homo. Maintenant, je pose la question, qui est le métis, qui est le Tisney le plus beau de cette maison? Gros, t'es arrivé comme un Sims standard, gros. Ouais, quand tu lances le jeu Sims, ouais, c'est le premier sable. Eh, hey, il a des sables. Quand t'appuies sur random, il est tout noir. J'ai cru qu'il y a des sourcils entre plus. Non. Le chef. Ouais. T'es habillé comment, comme Joël, là? Comme les frérots de Camio TV. Dédicace à Pliway, dédicace à chaîne. Yo, mon beige. C'est quoi l'outfit? C'est quoi le... C'est quoi mon book? Book soin. Alors, mon book soin, c'est simple. J'ai une paire de New Balance aujourd'hui. Avec un petit pantalon, je cope un petit pantalon Lululemon à Toronto. Je me tabasse à Camille TV. Moi j'ai mes notifications, c'est la dernière contre. Il y a des vraies réductions. Ton dessus. Le petit détail où là je vois que Joël c'est un mec entier. Toujours le survêt relevé pour bien voir les chaussettes. J'ai même pas filtré. Tu sais que j'ai même pas filtré. Tout à l'heure tu m'as dit ouais c'est parce qu'il va filmer mon outil. Non, c'est trois mecs street. Là je suis un mec qui écoute Zaz. Zaz à gauche. Non, on a vu plus Zaz que ça quand même. Et là c'est coup de prof. Voilà. Un peu de prof, un peu de Zaz. Est-ce que pied droit tu jongles et après tu fais ça? Moi tu sais que moi c'est mon geste. C'est ça, genre je fais ça, franchement je fais clac. Ça c'est un geste, c'est la base. Tu es en train de faire livrer quoi Joël là? Je vais pas te faire un dessin mais il se la met hein. Ah le tonton putain, faut faire une étude mon gars. Le truc c'est qu'il va se passer quoi Yass si les mecs de la sécu ils ouvrent ta valise avant de te la donner? Il y aura des révélations choquantes. Ils vont trouver tous ces sextoys et après ouais, il y aura des révélations choquantes, vaut mieux pas. Dans ce vlog il y a forcément quelqu'un qui bosse à Air France. Entrez en contact. Aidez-nous, pitié. On doit récupérer nos valises du vol Finnair annulé à Air France basculé. Si quelqu'un est en mesure de nous aider, on est preneur. Surtout que là, on t'offre des RP. Si tu nous aides, je t'offre des RP sur le. C'est bourbier parce qu'en plus là, c'est la grève. Vraiment, Yass sur un caleçon qui tourne tous les jours, mon rêve. Mais mec, mais là, vraiment, mon calvar, mais là, je le sens, tu vois, que je commence vraiment pour de vrai, genre, à vraiment sentir la merde. Genre là, vraiment pour de vrai, là, c'est vraiment au sort du personnage du RP. Là, je le sens que je sens la merde. On va aller à Akihabara. On va aller acheter 2-3 trucs, se balader un peu le soir. J'ai dormi de 18h à 20h et j'ai pas fait l'erreur de continuer à dormir. Je me serais levé à minuit, ma vie aurait été. Dr House, Gregor House, c'est le mec qui a le plus de flow sur Terre. Mais ça, c'est depuis ce midi, t'es en boucle sur Dr House. Oui, normal, il a trop de flow. Genre, il t'annonce que t'as le cancer, mais genre, avec du flow, tu vois. Mais c'est que des gros groupes, tu regardes quoi déjà dans l'avion? Un documentaire sur l'affaire Outro. Affaire Outro, le vol. Malaysia Airlines là, et les affaires sordides, vraiment genre Outro fournirait, c'est vraiment genre mon kiff absolu. C'est très bizarre comme ça, mais en fait c'est vraiment genre mon kiff, c'est très intéressant. Ça là, nous voici à Akihabara, regardez. Akihabara, hein. On va aller vers là-bas. Akihabara, pardon. Donc on est à Akihabara X. Quand il y a ce moment qui va passer sur le vlog là, faut aller éloigner les enfants de l'écran. On a 2-3 achats à faire, des adaptateurs, des machins. Et Yaya, si vous voulez faire un concours de shot avec un japonais, il l'a dit. Il est 21h15 et tout est ouvert. On en prend 3, ça a 2 balles de toute façon. Joël, montre-leur ton... Quoi? Ton rayon à côté. Mais non, je vais pas le montrer. Les enfants, s'ils écoutez pas. Vous voyez ici, vous avez des claviers là. Tu vois, ça, c'est les claviers de secrétaire. Ça, c'est ça tape pas correctement. Attends, mais ça, c'est incroyable. C'est pourri. Nous, on veut les vrais claviers de gamer, ceux qui font le. Vas-y, fais voir. Non, ça, c'est pas du clavier de gamer. Voilà, ça. Voilà. Ça, c'est aussi les secrétaires. Ça. Là, voilà. Comme on est en 2014. Hein.
Bonne Paris Games Week à vous. Ça, c'est les bons trucs. Moi, je suis comme toi, j'aime trop le bruit du... Voilà. Je sais pas pourquoi. Je suis mort, Logicool, le Logitech d'Abidjan. Oh, le Logicool. C'est les débats un peu débiles, j'ai demandé. Ouais, admettons, là, il y a Eric Zemmour, il DM. Il dit salut mon Gazak, j'ai besoin d'un peu de buzz. Est-ce que ça dit de faire un Zak en libre monnayant 200 000 euros? Est-ce que t'acceptes? Genre il propose 200 000 balles. Ouais, 200 000 balles et tu fais un Zak en libre Eric Zemmour. Toi Joël, t'accepterais ou pas? Non, ma parole je refuse. Parce que je l'aime pas. Au bout d'un moment, au bout de la quatrième question, je vais lui mettre une patate. De toute façon, il y a tellement de trucs sur moi, raciste, gros connard, beau. Ah ouais, hein, on va faire ça, donne-moi les 200 000. Non, bah, je rigole. J'ai une petite question, c'est quoi ton pseudo sur le PSN? Oh putain. Je viens de me rappeler. Oh, je viens de me rappeler de mon pseudo PSN, vas-y, arrête. Pour la petite histoire, allez regarder le 1v1 que j'ai fait sur Black Ops Cold War avec lui. Vous allez vous rappeler de son PSN. Je suis censé dire quoi là? Pas grand chose. C'est ton premier casting, Yacine. T'as dit quoi? C'est ton premier casting. Ouais. Bonjour. Moi je suis Yacine. On descend 1. J'ai envie de manger des sushis minables, genre tu sais un truc qui te rend malade. Moi je mange de la viande. Mais après ici les sushis minables, je crois que ça n'existe pas. Il va dire un vrai bail. Rappelle-toi les sushis avec du requin. Tu veux manger quoi, Joël? Du requin, du poule. Toutes sortes de trucs asiatiques que tu verras jamais en France. Toutes sortes d'animaux mystiques dont Tev parle. C'est ça que je veux manger. Avec ma femme, j'étais allé l'an dernier à un truc sushi en 11 courses où il te peint le truc, il te le met dans le bec. Et en fait j'ai envie de vous ramener là, mais ça me fait chier de ramener Yas, genre. Ah, c'est vrai que l'an dernier, on l'a ramené dans un resto, c'était 1600 balles la note et il a dit qu'il aurait préféré manger la chicken street. Non, c'est un menteur, il a dit veux. Alors, non, alors, après, moi je vais le défendre. Le truc était classe de non, fou. Non, donc on est pas okay. Non, frère, toi t'étais aigri aussi, tu faisais la non, tête non, en bas. Non, non. La tête, je te jure. Bah, c'est normal. Nous avons nos propres trucs qui arrivent là. En fait, vu que ça ferme dans 2 minutes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais. Ils fermaient dans 2 minutes, ils ont vu la commande, ils avaient envie de t'insoucher. Hein. On est arrivé, ça ferme dans 30 minutes, mais il nous restait 3 minutes pour commander, on a envoyé. Oh là là. Ah ouais. Merci. Mais franchement, ils sont excellents. Je peux avoir un truc. Et pourtant c'est du low cost hein. Oh la table de glouton, on est tous en train de se la donner comme ça. Tu vois, ces petits œufs, tu vois ce saumon, regarde, sur ma langue en premier. Je suis un immense bandeur de Japon. Joël, qu'est-ce que tu penses de ce là, c'est du sérieux là. Non, c'est sérieux. Toi, je vais te. Hey. Non, moi, j'ai plus le t-shirt. Gros. Toi, le coup de poing que je vais former pour mettre dans tes testicules là, tu vas arrêter tes conneries là. Les menaces commencent. Ça peut pas se finir comme ça. Non, trois, non. Épisode 2. Bah, c'était bon. Oh, c'était bon. C'était même très bon, mais ça m'a ouvert l'appétit. En fait, ce qui s'est passé, on s'est assis, on a fait tac-tac-tac-tac-tac-tac sur la tablette. Et pas, j'ai appuyé sur toute la tablette. Ils sont arrivés, on a enchaîné, et là. Vous faites confiance ou pas? Vas-y. Comme tout à l'heure. Vas-y. C'est pour vous, et c'est en grand. Dis-moi, il y a des desserts ou pas? Ouais, il y a des tiramisu Oreo. Sushi Nutella. T'as des sushis non, bah, parce au dain. Tu sais que déjà les sushis au. Non, c'est les nems au chocolat. Bon, gros, on va commencer à te patater, toi. Genre, je te dis, on va commencer à régler ton compte. Il y a des rebeux qui ont fait des sushis à la merguez. Ah, j'ai vu. Je ne soutiens pas à la régulateur. Vous avez mangé une patate dans le foie, tous, même toi. Ah bah, et moi. De toute façon, on va avoir l'occasion de le voir demain. Égalité homme-femme ici. T'avais menacé Baki. Non, on va isoler la séquence. On va lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Mais non, parce que Baki, moi, je l'ai soutenu contre Doumbé. Medium fatituna, donc la qualité du thon va dépendre du gras qu'il y a dedans. Donc là, c'est le medium. Et là, c'est le fati. C'est le plus cher. Genre, c'est à 4 euros la pièce. Mais c'est fondant. On dirait trop une diflerie. N'a rien à voir. Une petite note. Franchement, moi le premier, un soit 9,5 et le deuxième un petit 9. Non, c'est super bon, c'est bon. Hein. Non, GG les Japonais. Hein. Non, vous êtes chaud. Hein. Mais je trouve que la diff, elle est pas là où on pense. La diff, c'est le riz. C'est pas tant le poisson et machin. C'est le riz, il est sec bizarre là-bas. Tu sais, ça, il est granuleux. Non, il est dégueulasse. Il est pâteux, c'est du Koh-Lanta. Oh. Tu voulais du bizarre? Oh. Tu voulais du bizarre? Oh, il est mauvais. Oh, il a le bien visage. Ouais, c'est pas mon kiff. Franchement, ça, c'est des sushis de haut niveau. Je te mets dessus? Vas-y. Toi, ils sont catastrophiques. Eh, casse pas les couilles. Okay. C'était trop spontané. Mais j'arrive pas avec la baguette, je suis désolé, j'arrive pas. C'est pas bon, hein. Mais prends la main. Le truc blanc, il est dégueulasse. Mais le reste, c'est très bon, mais le truc blanc, là, c'est... Moi, j'ai pas mangé, pas maintenant. Mmh. Ah, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Non, frère, moi, je veux pas de cette fumée. Hein. Qui le veut? Il en reste un. C'est de la semelle de Géox. Oh. Depuis tout à l'heure, Hugo, il nous fait genre que ça s'est pas cassé, il a trop tard de son riz dans la sauce. C'était
masse au chiffon. Vous savez que je vous gonfle tous en parent ici. Oui, d'accord, allez.